Et hop là, hop. 2 secondes. Oui, non, mais devant, imbécile. Bonjour à tous et à toutes, ici Lumi13. Je suis content pour vous retrouver pour une suite de détente sur Minecraft en test. Donc, comme vous avez remarqué, j'ai enfin compris comment on pouvait faire pour avoir en plein écran pour vous. Et en même temps, moi, c'est en plein écran aussi, donc ça tombe bien. Donc voilà, j'ai su faire, j'ai compris comment on pouvait faire. Donc tout simplement, il suffisait de, ah pardon, il suffisait tout simplement de régler en plein écran, donc mettre le jeu en plein écran. Et comme c'est pas vraiment en plein écran, si vous voulez, c'est pas vraiment du plein écran, parce que regardez, quand on fait ça, voilà, qu'est-ce qui se passe? Hop là, et c'est ça qui change tout. Ouais, après c'est il faut retourner dans les options. Oui, du coup vous voyez ça, c'est normal, vous inquiétez pas, c'est normal. Bon, je regarde du coup, j'ai pas. Ouais, d'abord on va je vais vous montrer. Donc retourner dans les options. Donc d'abord je regarde si tout est présent. Il filme toujours, nickel, c'est super, il filme toujours. C'est la classe. Alors, vous allez dans options du jeu. Enfin, si j'y arrive un jour, là, vous faites là et vous appuyez ici, ici en plein écran. C'est pas du vrai plein écran, mais c'est sublime en fait, parce que du coup, je peux être en plein écran pour vous et avoir une meilleure visibilité. Et bien sûr, il faut un peu attendre que le temps que la map charge, parce que au début ça lague un peu parce qu'il faut, comme je filme en même temps, bah, il faut le temps que la map charge un peu, hein. C'est un peu logique après tout. Donc on va tester tout de suite la suite de nos aventures. Oui, parce que j'ai retrouvé mon stuff que j'avais perdu et j'ai miné un peu. Donc on va remettre les mobs monstrueux avec nos compagnons d'ailleurs, les poufs là qui sont ici devant. Hop. Donc voilà, si vous avez un PC pourri et que vous voulez faire des vidéos, voilà une meilleure technique pour. Il est où l'autre? Ils ont fait des bébés. Voilà une technique de fou. Voilà une technique pour pouvoir faire des vidéos super fluides. Regardez, c'est fluide. Bon, c'est pas non plus fluide au point que ce. C'est fluide, c'est largement suffisant pour un des. Pour une Intel Family machin. Bon. Oui, désolé, j'ai mon nez qui me dérange un peu, voyez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on va. Donc on va continuer à récupérer. Alors j'ai tout. En fait, j'avais beaucoup de fer, mais j'allais vous montrer. Enfin, j'aurais bien voulu vous le montrer, mais. Où j'ai foutu. En fait, je sais jamais où j'ai foutu. Ah ouais. Ouais, je crois. Suivez-moi, commissaire. Voilà. Oui, donc comme vous voyez, ça lag un peu tant que la map extérieurement charge, c'est normal. Oui, mon personnage saute tout seul aussi, ça c'est un peu casse-couille, mais. Toujours désactiver ce truc, hein, c'est ce que je peux faire. C'est un peu gênant. Ah oui, render distance. On se modifie à chaque fois. Parce qu'en fait, j'oublie aussi ça. Parce que render distance, ça pompe aussi, hein, il faut pas oublier. Donc, qu'est-ce que c'est? Voilà. Quand j'avance, je dois sauter moi-même, sinon ça ne marche pas. C'est peut-être une meilleure technique pour la version de ce jeu. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, ben, c'est simple. Vous appuyez. Je pense que le tout ne sert à rien. Ah. Oui, là j'avance toujours, il n'y a pas de souci quoi. Pas de souci du tout.
Alors, bon, après, c'est vous me direz en commentaire à quoi ça sert hein, cette option. Ouais. Il faut faire attention aux poufs là parce qu'ils sont un peu poufs. Pas de tomber en tant que pouf. Elle nommée comment cette arme? Ben, MB, Webé, voilà. Sur épisode 1, je commence avec des animaux, quoi. Ah, oui, c'est bien, mais tu gênes un peu, petit Wookie. Allez. Ouais, il gêne, c'est pouf pouf, tu gênes un peu, hein. T'en rends pas compte, hein, c'est pouf, mais. Ah, mais non, recule! Espèce de pouf envahissant! Oh là, ces petits Wookie donnent tant d'amour en pixels. Mais ils comprennent pas qu'ils dérangent un peu et qu'ils sont un peu trop collants. Mais nous! Tu veux que je te fasse mal ou quoi? Oui, après, voilà, c'est le challenge du jour. C'est d'arriver à miner avec des poufs qui te collent. Et qui, bon, qui sont assez affectifs et collants. Donc la seule technique à faire à ce moment-là, c'est de les faire venir ici et les faire asseoir un par un. Même le petit Wookie là. Surtout le petit Wookie. C'est où? Ah si. Oh, bon. On récolte. Ah oui, j'ai oublié. Enfin. Je vais d'abord faire ma maison de préférence avant de commencer à faire à remettre tout en machin, en mode machin, parce que sinon je vais me faire défoncer. On descend dans les fins fonds de la mort. Ouh là, il y a des poufs qui me suivent, ça ne va pas. Bonjour. Bon, vous savez quoi, on va vous faire votre maison. Crois que vous cassez les pieds. Vous êtes des poufs dangereux pour vous-même. Ah, quand même, un pouf dangereux pour vous-même. Ah, mais ça, c'est des poufs. Conduit séparément, hein. Des malheurs de poufs. Appuie. En tant que pouf. Rien, je parle tout seul. Je suis souvent comme ça avec mes vrais chiens aussi. Je leur parle comme ça. Peluche. C'est des loulous de Porémanie, donc voilà. Imaginez la petite tête de pouf qu'ils ont. Oui, par contre, voilà. Ça, c'est mon gagne-pain. C'est de me perdre carrément dans la zone. Voilà pourquoi je n'ai pas encore activé. Ce que j'ai dit hein, parce que tout simplement je suis en mode tranquillous, donc ça veut dire qu'il n'y a personne, il n'y a pas de monstres qui m'attaqueront parce que je suis en mode paisible, parce que avec l'autre test j'ai pas remis les paramètres, donc on va les remettre après, mais j'ai d'abord essayé de retrouver mon stuff et tout mon bordel parce que comme vous voyez j'ai su me perdre. C'est magnifique, voyez-vous. Dès que je m'aurai stuffé et tout, ben je vais pouvoir commencer à mettre tout en route. Mais pour l'instant, on va éviter de faire des dégâts. On va. D'accord. Je m'en rappelle pas d'être aussi haut, mais. Non, on a trouvé déjà des choses. Alors, on vient. Bonne de pouf. Ouh, les autres poufs. J'avais plus de poufs que ça. Et voilà. Et un mini pouf aussi. Récupérer mon gagne-pain.
On va se faire une armure hein, pour commencer, pour pouvoir bien commencer la partie avec des poufs qui me poussent, c'est génial. C'est bizarre, je ne sais pas comment on fait des armures, c'est super. Ah, c'est pas normal. Je sais que ça marche. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah non, c'est l'inverse. Allez, dépose-toi. Des choses. Je suis de meilleure protection déjà comme ça. Ah bah c'est déjà mieux. On va pouvoir mettre le mode en route de. Enfin, madame, il fait jour. Ouais, on va pouvoir le mettre en route. Ben, je vais d'abord construire ma maison, tiens, avant. Pourquoi? Parce que je suis une grosse bouse dans ce domaine-là. Et si je fais, si je fais à la norme que qu'il faut faire. Je vais me faire déglinguer par les monstres et j'aurai même pas le temps de construire ma maison. Le temps que je peux construire ma maison et puis je mets le truc en route pour les mobs. Comme ça j'ai un endroit pour spawner et tout. Venez bande de poufs. D'ailleurs cet arbre est bizarre. Voilà, le jour est en plein milieu donc je vais pouvoir mettre en route les hostilités. Les hostilités. Comme ceci. Hostilités. Voilà. Remis à jour. Les montres vont repouvoir me faire chier. Génial. Trop content. Tellement un honneur d'être leur souffre-douilleur. Douilleur. Douilleur, douilleur. Je sais, c'est des photogrammes, mais je fais ça. Je sais que ça dérange des gens. C'est pas parfait. Ah bon, ouais, votre péché. Bon, voilà. Venez, bande de poufs, on va essayer de trouver une zone. Pouf, bande. Ouh! C'est comique. Oui, mais non. Ça va pas. Mais arrêtez de me pousser! Bande de poufs! Ah oui, regardez, il y a un bug. Alors laissez-moi régler ce bug. En tant que modérateur de cette zone, je m'exige de régler ces soucis de d'incohérence avec les arbres censés être morts et qu'il y en a un deuxième qui est poussé, c'est pas possible. Voilà, c'est plus logique comme ça. Ben voilà, c'est plus beau. Ah bah ben voilà, nickel. On va faire encore mieux. Super doué. Oh! Montage, personne n'y fera attention. Merde. Oh, vous avez rien vu. Et voilà. Vous avez rien vu. Bon. Ouh, le bel arbre. C'est le. Ça, en fait, vous voyez ça, c'est le genre d'arbre que. D'habitude, il y a mes poufs qui me poussent. Ok, mais dans l'autre version, j'ai jamais eu ça. Hein. Ils sont affectifs ici. C'est vraiment. Waouh. Donc, comme vous voyez ici, vous avez un arbre. Que ce genre d'arbre, j'ai horreur parce que quand tu mines ça. Quand tu. Dès que tu détruis cet arbre-là. Mais qu'est-ce qu'il faut récupérer? C'est chiant, hein. Il faut monter, descendre, enfin c'est le bordel. Donc moi j'aime bien toujours aller sur les petits arbres, hein, vous voyez ça, les beaux arbres. Bon après c'est vrai que les bouleaux apparemment, hein, c'est pas très, selon Biloulette, elle a pas tort peut-être sur ça, c'est très dur de trouver un ensemble esthétique dans une maison. Mais voilà, c'est... Voilà quoi, c'est quand même mieux à miner que ce gros truc géant.
Après, oui, pour ceux qui ont un peu moins la flemme, mais bon, moi, je suis quelqu'un qui est né avec la flemme en moi. Oh, ma petite peluche. Non, mais vous êtes trop. Bon, bah, je sais pas, c'est quelqu'un qui que j'ai fait mal. De... Désolé. Ouh, pas fait exprès. Merci petit. Oula! On veut pas plus! Au secours! Bande de poux! Bon. Hop là. Alors, normalement j'ai... J'ai qu'une laine. Non, j'en avais plusieurs. Là. Ceci est très louche, mes amis. D'avoir plus de laine. Oui, vous allez me dire, c'est pas sans. C'est pas. Ça y est, je vais faire les genres de feuilles comme Loubinette. T'imagines ça en plein combat, hop, sans faire exprès, j'appuie sur le A et je lâche. Bon, S, c'est encore une autre touche, je crois, c'est sur Q. Ou W, enfin, je sais plus. Et hop, je lâche mon épée dans la lave ou autre. Version bilou à la Loubinette, quoi. Petit clin d'œil à ces deux personnes que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup leur let's play. Eux, hélas, ils ont de la chance. Ils peuvent. Ouh, vous avez vu le freeze. Ils peuvent tourner sur la vraie version. Moi, non, je peux pas parce que, comme j'ai expliqué, hein, ils ne veulent pas les remettre 50 fois. N'importe quoi. Bon. Mais. Oh, attention au pouf! On va y arriver, bande de pouf, on va y arriver. Vous voulez qu'on y arrive, arrêtez de me pousser, quoi, sérieux. Oh! Il est con! Il est double andouille! C'était une andouille, hein! Oh! J'aime pas entendre ce bruit d'animal qui se fait. C'est trop offensant. Mignon. Enfin, c'est trop triste. Pauvre peluche. Non mais. Andouille! Laisse-moi colmater ma maison, Andouille! Tu veux qu'il y a des creepers qui viennent nous attaquer, c'est ça? Ou des zombies ou des quelque chose dans le genre? Non, hein. Il va y avoir du monstre à bientôt. Un con, mais. C'est que je sois protégé. Et arrêtez de crever, hein. Mon Dieu, Dieu. Ils ont l'air à se faire mal tout seul, ceux-là aussi. Et pouf, un casse-pied. Ah là, voilà, quand on a des chiens, c'est comme ça, ils se font tout le temps mal. Dans la vraie vie, c'est pareil. Non, j'ai que... non, j'ai besoin de ça. Mal que la chose que j'entends là n'est pas censée m'attaquer, que elle est pas dans le même endroit que.
Oui, il faudrait tenter de les récupérer, hein, parce que ces poufs-là, tu leur laisses se promener, ils vont se tuer tout seuls, les poufs. Donc ça, c'est un bug dans ce jeu-là, apparemment, c'est que ça a l'air à multiplier. Vous venez visiter. Je suis la tristesse de vous dire que c'est dommage, mais je ne pourrais pas vous inviter à cette fiesta, simplement parce que je n'ai pas mis d'invitation en cours. Bonne journée, monsieur Jean Bail. Non, vous vous en foutez, c'est ça? Vous voulez quand même venir me voir? Me toucher deux mots, peut-être? Oula, attention, petit Wookie. Bien. Très bien. Ah. Putain. Vite, vite, vite. Moi je rentre parce que j'en ai marre. Alors, j'ai eu un truc. J'ai assez perdu de Wookie. Putain, j'arrive pas. Bon, tant pis, je m'occuperai de toi après. On n'a pas de toi. Connard. Mon petit Wookie, nous sommes en vie. C'est le principal. D'accord. D'accord. Bon, après, c'est encore une autre paire de manches pour pouvoir passer le temps. C'est un peu chiant d'ailleurs. Parce que j'ai pas de point de spawn. Ça m'énerve. Ben, j'avais 3 laines au début, donc je vais me permettre de tricher parce que je suis pas d'accord. J'avais 2 laines. Et bizarrement, ils ont disparu. Donc, je vais me permettre de tricher uniquement pour ça, parce que non, bah, je vais pas pouvoir. Si je crève, je vais. Non, non, non. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au menu. Faire, hop. Créatif. Hop. Voilà. On va nous giver un lit seulement, pas autre chose. Voilà, je ne triche pas. Il ne fait que prouver mon innocence. Oui, c'est qui? Vous êtes venu pour quelle commande? Nous ne pouvons pas avant 7 heures. Bonne journée! J'avais pas à bouffer dans la base. Ouais, ok. Ah, mais putain, ça lag. Ouais, tu as traversé le truc. Oui, j'ai vu mon épée a disparu, c'est pas grave. J'en referai une autre. On va dire que c'est un échange équivalent alors, pour vous. Ah, mais j'ai vraiment perdu le fameux. Ah, bah, vous n'avez pas à dire que j'ai triché du coup.
J'ai perdu carrément une bonne tonne. Bon, c'est pas très grave, hein. Ah oui, ce zombie. Oui, c'est occupé. Emmenez demain. La merde, ils ne comprennent pas le français. Oh mon Dieu. Ok. Ah bon? Merde! Ah mais c'est nul alors. J'ai bien voulu dormir moi. Oh il pleut. Nul. Ah! C'est bien mon petit Wookie, j'ai pu mettre mon point de spawn. Du coup, je vous utilise ça. Oups. Non! Pourquoi ça fait ça? Oh, ça me fait mal au cœur. Je sais pas pourquoi ça fait ça. Pourquoi ça l'a tué? C'est un bug dans le jeu, apparemment. Bon, apparemment, vous avez remarqué qu'on peut pas pousser les petits wouwou hein, parce qu'on les met dans le truc et on les tue. C'est pas voulu. Ah, voilà pourquoi ils peuvent pas venir. Ceux-là. Comme des andouilles se sont enfermées. Voilà. Venez. Comme des andouilles. Ça va être chaud. Je vais les mettre dans la maison. Je pense qu'on va laisser tomber l'idée de les mettre dans la maison parce que ça va pas tuer l'autre. Non! Pourquoi ça te pousse par là? Tu veux tuer mon petit Wookie? On est où? Tiens, mon petit Wookie. Ah. Ah. Oui, tu seras bien là. Allez, petit Wookie. Garniture. Voilà. Voilà. Garniture. Ouais, lui, il peut me servir pour les aventures, voilà. Mais j'en veux au moins deux à la maison, quoi. Parce que c'est des petites peluches, des petites garnitures, quoi. Oui, oui, ouais, j'ai prends pour des garnitures, moi. Comme ça. Non, mais je vous jure qu'ils sont mignons. J'ai envie d'avoir ce truc avec vous. Voilà. Garniture, toi tu viens avec moi, tu vas me servir comme protection en espérant que tu ne meurs pas hein, parce que... autant que je veux que tu crèves donc. Un Enderman, c'est d'ailleurs rien du tout. Si. Ah oh, vous avez vu, ils avaient un truc bizarre qui a pas. C'est pas là ça. Oh. Ah, ouais c'est ça avant. Hop là. Mais non mais... C'est bizarre le four. C'est bizarre oui. J'ai jamais vu un four comme ça moi. Pourquoi je me fais être trollé? Pomme. J'allais chercher autre chose que cette bouffe là mais pour moi j'ai rien d'autre.
pas combien on est. On va vérifier ça après. Hein. Que, et là, j'ai pas le timer. Hein. Je sais pas l'avoir. On est à 30. Ouf! Donc, on est passé du temps. Ah bon, on va bientôt se quitter. La prochaine fois, ce sera des épisodes de 25. T'as vu mon goût? On est à 30. C'est fameux, hein, dis donc. Bon, c'est déjà mieux que 38. Que c'est trop. Trop long. Ouais, pour quelqu'un qui débute et qui n'atteint pas vraiment le monde. On dirait. Pourquoi on te suivrait aussi longtemps déjà que c'est inintéressant? Mais vous armez, hein, mais moi. J'ai fait ma vie, ok? Ah, mais. Délivre-toi. Voilà. Je suis beau gosse. Non, en fait, c'est bizarre, ça. Alors, écoutez, il me semble bon de vous dire. Oui, je présume que j'ai jeté un truc, c'est ça. Oui, attends, côté. Je me semble bon de vous dire à bientôt, chers fidèles compatriotes. Là, il y a mon équipe. Ah oui, c'est l'armure qui passe. Donc, je vous dis à bientôt et merci de me suivre ou de partager mes vidéos, de les aimer, etc. De liker, mettre un pouce vert ou bleu, comme vous voulez. On dit ils étaient daltoniens quand ils ont fait ça. Non, mais n'empêche, c'est mieux avec vert, quoi. Bon, soit. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter si ça vous plaît, à partager mes contenus. Et moi, je vous dis bye bye pour une prochaine vidéo. Comme d'habitude, vous savez bien, hein, ça va pas être genre ah, il disparaît, un fondu. Je sais pas le faire puisque j'ai pas le truc pour le faire. Donc, je vous dis. À bientôt et à une prochaine aventure avec mes poufs. Ce sera MP épisode 1, quoi.